Après avoir été diplômé d'une école d'ingénieur, j'ai intégré Orange Cyberdéfense où j'ai réalisé mon stage de fin d'études, puis l'ADOSI en tant que chef de projet transverse. Et ensuite, je me suis orienté vers le conseil en sécurité car j'ai toujours été attiré par la sécurité. Au conseil, on peut très bien travailler sur tout type de mission. Typiquement, aujourd'hui, je travaille sur une audit organisationnelle de sécurité pour laquelle je dois réaliser 2 à 4 audits par mois, et ce dans toute la France, et durant un semestre. Par ailleurs, je suis aussi amené à travailler sur une analyse de risque en parallèle. Cependant, on peut être amené à travailler aussi sur du cadrage GDPR afin de mettre en conformité nos clients, de l'assistance RSSI pour intégrer la sécurité dans les différents projets, de la cyber-résilience pour l'intégration de la gestion de crise, et aussi de la gouvernance. C'est avant tout une montée en compétences qui se traduit à travers 9 pôles spécialisés par domaine, tels que la cyber-résilience, l'audit et la conformité, la gouvernance ou encore les sécurités des SI industriels et IoT. À cela va s'ajouter un plan de formation revu annuellement avec notre manager, permettant une démarche d'amélioration continue de notre montée en compétences. Cette montée en compétences, combinée avec nos expériences, va permettre de créer notre parcours professionnel en tant que consultant. Il va être articulé autour de différents grades, partant du consultant junior jusqu'au consultant principal et manager. Plutôt fun. On est sérieux sans se prendre au sérieux. Les espaces de vie sont récents, modernes, agréables. Des afterworks sont organisés régulièrement sur les différents campus ou alors à l'extérieur. Et la direction réunit l'ensemble de ses collaborateurs afin de présenter les faits marquants, les objectifs à venir, mais surtout pour passer des moments conviviaux. Oui, top. Mais au-delà de ça, ils ont du temps qui est dédié pour nous accompagner et nous aider.